Salut tout le monde, c'est Dahlia aujourd'hui, et eh bien on se retrouve amis pour la suite de Pokémon Ultra Soleil en Re-Random Challenge. Et oui, il y a eu une pause de une semaine, je sais, vous le savez, j'étais parti en vacances pour les fêtes de Noël, et j'espère que du coup, pour vos fêtes, eh bien ça s'est bien passé, que vous avez eu de jolis cadeaux, etc. Alors moi, pendant mes vacances du coup, j'ai eu un peu de temps pour entraîner les Pokémon. Du coup, il y a eu des changements. Vous pouvez déjà voir sur le layout, on a deux nouveaux Pokémon hein, dans l'équipe. Donc on a fait de l'entraînement. Enfin, j'ai entraîné mes Pokémon. Donc on est aux alentours du niveau 40 hein, généralement. Donc on est niveau 41 avec Spider Nul. On a Motismadex que j'ai renommé hein, pour qu'il ait le vrai surnom. Que j'ai changé de forme, hein. Vous m'avez souvent dit dans les commentaires, ça, il se passe quoi si tu changes de forme du Motisma? Eh bien, en fait, il change de type et de talent à chaque fois. Et du coup, avec toutes les formes, j'ai décidé de conserver la forme Frigo, qui est donc au final type Féo. C'est parfait parce que du coup, on a Ébullition, qu'on a appris en CT, et Pouvoir Lunaire également en CT, qui sont bah, du coup stabés. J'ai appris Sport et Mortel du coup. Ensuite, on a Celebite. Et après des niveaux, tout ça. Pas de changement de niveau d'attaque. On a également le Sorcier Malgache qui a pris quelques niveaux. Pas de changement au niveau de ses attaques. On a Lele qui a eh bien, eu quel petit changement. Il me semble que j'ai appris Point Météore. Je sais plus s'il l'avait. En tout cas, elle a XP quoi. Je me rappelle plus des attaques, mais en tout cas elle est XP, donc ça c'est cool. Et toujours aucun objet hein, pour profiter eh bien, de la double puissance de Acrobatie. Et enfin, j'ai décidé de prendre la bétonneuse, parce que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, là, prends la bétonneuse, elle est pétée! Oui, elle est pétée. Et du coup, on a la bétonneuse avec nous, elle est fée glace, hein, donc on a deux types fées dans la team. Le seul type glace d'ailleurs. Et donc il a force pure hein. Donc ça veut dire que il a le double de son attaque. Donc c'est-à-dire que là il a 102. Donc il a 204 au total. Donc c'est très fort. Ensuite en attaque bah, il a point glace et câlinerie. Deux bons stabs. Point météore qui est une très bonne attaque. Et changement de vitesse qui permettra de le booster en attaque et en vitesse. Donc c'est pratique parce que Crabarak eh bien, c'est très lent. Et oui, vous avez été nombreux à me dire aussi, arrête de l'appeler Crabagar, c'est Crabarak. Oui, eh ben, ils auraient pas dû appeler ces deux Pokémon comme ça, parce que ça se ressemble trop. Et du coup, voilà. J'ai entraîné trois Pokémon, enfin plus deux. On a Psycar qui est niveau 37, donc dans un niveau il évolue, hein, tout simplement. Donc je pense pas qu'on le fera évoluer dans cet épisode. Il y aura un épisode spécial où je ferai vraiment de l'entraînement avec tout le monde et on fera des évolutions. Ensuite, on a Piaf Nul, qui est pareil, hein, qui évoluera dans un seul niveau. Donc on découvrira ça plus tard. J'ai appuyé volontairement sur B pour eh bien, garder la surprise. Et Wistiti qui a pris quelques niveaux, il me semble. Mais voilà, lui, il évolue au niveau 45, hein, si je me remémore bien. Donc écoutez, je pense qu'on a le niveau pour eh bien, affronter Guzma. On va de ce pas s'y rendre. Tout simplement avec le petit Dracaufeu. Voilà. Et ouais, on va affronter Guzma. Et tout va s'enchaîner si vite parce que il y a moyen que dans cet épisode, vous, eh bien, vous allez pouvoir voter si on affronte eh bien, le doyen de l'île, hein, puisqu'on y est vraiment bientôt au doyen, juste après cette phase scénaristique, avec Guzma justement, eh bien on va pouvoir affronter bah, le doyen, donc qui est Dan, hein, je rappelle, et du coup, bah, tout simplement, vous aurez le choix de re-random le jeu une nouvelle fois, ce sera la troisième d'ailleurs, donc voilà. Niveau planning de la chaîne YouTube, eh bien, normalement, vous avez cet épisode samedi. Je tourne vendredi, je suis rentré vendredi. Et du coup, on va reprendre eh bien, le rythme de un épisode par jour. Tout simplement. Et puis, les lives vont reprendre dès lundi. Dès lundi, on va pouvoir reprendre les lives. J'ai envie d'utiliser Motisma Frigo, tiens, en première position.
Et donc les lives vont reprendre tout simplement, on continuera la chasse, etc. Le métronome challenge. Et tout ça, place au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes. Bling bling, sable de marque, c'est Guzma qui débarque. Tiens, tiens, regardez qui est là. En voilà une bonne surprise. Tu dois vraiment aimer la douleur pour venir te jeter dans la gueule du Guzma. Je n'ai pas peur de toi! Laisse-moi deviner, c'est mon glouton que tu veux. Ah, c'est vrai qu'on avait un marché. Pff, on s'en fout du mon glouton en vrai. On s'en fiche de ça. Et donc tu es venu toute seule, comme un jeu type Onchio. Tes Pokémon ne te subissent plus. Tu te sens obligé de toucher aux nôtres, c'est ça? Enfin, peu importe. Tant que je peux me servir de toi comme un sac de frappe. Tu sais ce que je fais à ma Sono quand elle tombe en panne? Je la tatane jusqu'à ce qu'elle remarche. C'est ça la réparation à la Guzma. Sauf qu'au final, elle finit en miettes. Hey, hey. Ah, c'est la métaphore de ce que je vais te faire. Tu piges? Ça marche, Guzma, qui est en fait un top dresseur. Très bien. Très bien, très bien. Il y a trois Pokémon, donc je le disais, oui. Le planning va reprendre. On aura un Showroom. On connaît son type, hein, il est poison. Poison tout court. On va regarder, on va regarder. Mais je crois qu'il est, il est juste poison. Enfin, il est juste poison. On sait qu'il a des tricanons et qu'on est type fait, donc on va pas rester. Hein, vous en conviendrez. On va pas mettre un type plante. On pourrait mettre notre propre sorcier malgache. On pourrait faire ça. Ou on pourrait mettre l'Elei, qui résiste également le type poison, grâce au type spectre. Et on a Osmarang qui est super efficace. Alors on part là-dessus, on va envoyer l'Elei, le Shiny. Et voilà, donc les lives vont reprendre, le Let's Play va reprendre, et puis en 2018, il y aura aussi les lives marathon hein, qui seront présents. Waouh! Ah ouais! Ah bah heureusement qu'on est type spectre. Ah oui, bon, en fait, on va re-switcher. Eh, c'est vrai que l'Elei, elle prend tellement cher. C'est pas un Pokémon défensif, hein, mais voilà, de là à prendre tout ça comme dégâts, c'est assez abusé. En plus, on obtient le poison, hein, bien évidemment, forcément. On change pas une équipe qui gagne. Allez, créa Elec. Ouais, du coup, il y aura les lives marathon, hein, comme je le dis. Il y aura donc deux week-ends sur quatre. Vous serez au courant à l'avance lesquels ce seront, bien évidemment. On va se booster en vitesse. Ok, il place le chambre humaine. Et donc, ce seront des lives qui vont durer 6 à 12 heures, comme le live marathon qu'on a pu faire eh bien, lors des 10 000 abonnés. Donc ce sera un live, si jamais il y a des dons, quoi, un certain seuil de dons, eh bien ça durera plus que 6 heures. Ça pourra aller jusqu'à 12 heures, donc le lendemain matin, tu vois. Et voilà. Ok, bon, on part sur arrogance du coup. Et voilà, donc ça c'est cool. Et puis il y aura... Oh! On l'avait pas vu celui-là. Ouh, c'est violent ça, Cornoble. On va pas le taper du coup avec... Ah oui! Ah! Ça fait mal, hein! Ça fait un peu mal! Pas se mentir, hein! Waouh! C'est quoi notre force Z? Ah oui, mais non. Zip en météore! Oh la vache! Tu! What? Oh, on va être obligé de se... Quoi? Mais non, le critique, non, même pas! C'est un max roll! Oh! Ah! J'aime bien reprendre... Ah, je... non! Mais sorcier malgache! Et qu'est-ce que t'as fait, putain? C'est tout ça parce que je l'ai boosté, quoi. Tout ça parce que je l'ai boosté, mais je peux pas mettre un type plante, c'est mort. C'est les bits. Je peux mettre c'est les bits. Et je peux l'en... Non, je peux même pas l'endormir à cause du champ brumeux. Prends la vache. Je pense qu'il va falloir faire l'attaque Z. Normalement, on devrait être plus rapide, je pense, que la chèvre. Un chevron, quand même. On va faire notre attaque Z de type O et j'espère tuer. C'est tout, hein. Putain! Bon bah du coup c'est l'occasion de prendre un nouveau Pokémon dans l'équipe, hein. Ce sera certainement bah, Psycar ou Piaf nul hein, tout simplement. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il me tue en deux coups en fait. Genre il a dû faire un min roll et un max roll ou je sais pas, un truc comme ça. Et du coup il nous a tués.
Eh ben, très déçu, très déçu. Très déçu. Allez, hop. Ah, il a Victini aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on connaît le type de Victini, hein, il est type plante. Donc, ça devrait le faire. On peut pas faire sport sur lui. On a Mortel, par contre, qui est super efficace. Donc, ça, c'est pas mal. Ok, on est plus rapide. Et on est type dragon. Quoi? C'est tout? Racine. What? C'est tout? Mais c'est quoi ces dégâts? Bon, ok, c'est vite. Ouais. C'est vrai qu'on a autant d'attaques spéciales que lui, il a de défense spéciale. Et c'est pas stabé, mortel. Mais waouh! De là à rien faire du tout, c'est impressionnant. On pourrait partir sur notre propre Victini et faire bout de feu avec l'attaque Z. Et on a changement de vitesse en plus. Lui, il l'a pas normalement, hein. Parce que moi, c'est une CT. Ok, ça c'est une étape de type combat. Ok, bon, il baisse son attaque et sa défense. Tant mieux, il n'a pas contestation, faudrait pas déconner. On part... Ah oui, on a déjà fait l'attaque Z. My bad, c'est pas grave. Donc on va partir sur Vampiris plutôt. Parce qu'il a baissé sa défense. En plus, on va pouvoir se soigner avec. Ouais, voilà, là, ça fait de bons dégâts. On va se soigner. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Pour l'instant, il a la même team que moi, hein. Il a Chevroom et Victini. ce sera quoi le suivant? C'est quoi le Pokémon d'après? On a le même niveau en plus, hein. Heureusement qu'il avait surpuissance pour baisser sa défense. Et qu'il avait pas contestation. Parce que là, sinon, c'était vraiment la fin. La fin, la fin, la fin. Ok, on passe niveau 42. C'est les bits qui passent 43. Pikachu. Casquette de... Owen? On m'avait dit que c'était Owen, hein. Oh, c'est celle-là, Owen, hein. Il me semble, hein. On connaît son type ou pas? Sol O. Du coup, ça nous va. Parce que on est type plante. Alors, on n'a pas d'attaque de type plante. Ça, c'est un peu con. Mais l'avantage, c'est que on résiste à toutes ses attaques. Que ce soit sol ou eau. On va partir sur Aquabrèche. Pikachu, ça n'a pas 30, tant de défense que ça. Forte Paume, c'est type combat. Ça le soit pas. Il fait aucun dégât. Ok. Bon, moi, j'ai pas Pikachu, par contre. Ah, il prend tellement cher. Et la momie, du coup, il m'enlève mon corps sain. Ok, si tu veux. Mais c'est pas grave. Même s'il est plus rapide que moi, Aquabrèche va le terminer. Forte Paume a une chance de paralyser, je crois. Ou de mettre la peur, d'apeurer. Je sais plus. Mais bon. C'est terminé. On aura perdu un Pokémon, hein, du coup, contre Guzma. Encore une mort, hein. Ça fait trois morts d'affilée, hein, mine de rien. Ça fait un peu mal au cul, hein. Pour trois épisodes. Alors, Guzma, qu'est-ce que tu fais? T'assures pas, là? Toi, là, vas-y, rends-lui le Pokémon. Ok, c'est bon, on a récupéré un mouton. Glou! Glups. Il faut récupérer le cristal Z. Enfin, le cristal Z. Toi, un jour ou l'autre, je te ferai ta fête. Même si pour ça, il me faut de l'aide. Ah oui, bah forcément, de toute façon, toutes les racailles en groupe, elles sont plus fortes, mais tout seul, c'est easy. Même si là, j'avoue que le Chevroom des Tricanons, j'aimerais beaucoup avoir moi des Tricanons, mais moi, il l'a pas, hein, il l'a pas appris. C'est un peu de tristesse. On pourra peut-être lui apprendre. Ah bah non, mon Chevroom est mort. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, mon Chevroom est mort. Mon creep. RIP sorcier malgache, faudra lui déposer. Ouais, il faut bien que j'y pense parce que là, je crois qu'ils vont nous le soigner. Hein. Et j'ai aussi un Pokémon dominant à récupérer. J'ai les 20 emblèmes. Tu peux me dire d'où il sort celui-là? Ah! Pour venir se coller au vieux grincheux comme moi, et il avait l'air d'avoir la trouille. Ah oui. Bon. On bouge? Quelle galère! Laisse-moi deviner, tu fais le tour des îles, c'est ça? Ah, fais voir tes Pokémon, je vais les soigner. En échange, promets-moi de ne pas chercher les noises assez fous furieux de la Team Skull, d'accord? Non, mais c'est trop tard, hein. On l'a fait dégager le boss, quoi, donc bon, d'un moment. En parlant de la Team Skull, je trouve qu'on n'en croise pas beaucoup depuis tout à l'heure, c'est normal. Mais ils ont dû tout aller quand ils ont vu que leur boss prend une rouste. Et voilà, c'est ça. Tonton Dan! Ouh! J'ai déjà les oreilles qui sifflent. Blouh!
Oh mon pauvre chou, tu as l'air d'avoir si peur. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Pardon, pardon. Madame Dahlia, je te remercierai jamais de ton aide. Assez. Et toi, tonton Dan, en tant que policier, c'est ton devoir d'empêcher la Team Skull de nuire. Qu'est-ce que tu faisais ici si tu ne comptais pas les arrêter? Je regardais les maisons. Les loyers sont bon marché dans le coin. C'est pas croyable. Enfin, faut supporter la Team Skull juste à côté, quoi. Ah, tu voulais soigner toi-même les Pokémon que Team Skull avait blessés, c'est ça? Alors que tu pourrais les confier à la Fondation Ether. Vraiment, tu es incorrigible. Allez, viens, Glouglou, glou, rentrons au foyer. Ouais. Rentre au foyer. Mais je veux juste qu'on me fiche la paix, moi. Bon, on y va au foyer ou on n'y va pas? Retrouvons-nous au foyer quand tu auras fini, hein. Oui. Personne n'a un parapluie alors qu'il pleut des cordes, hein, mais ça, aucun problème. Entre les Pokémon enfermés dans la Pokéball et ces vauriens de la Team Skull enfermés dans leur planque, je me demande qui sont les plus heureux. Ah! J'en sais rien, moi. En tout cas, nous, on va s'envoler. On va aller donc au village au Toco. On va aller déposer bah, notre défunt sorcier Valiash, hein. RIP la chèvre. Cette fois-ci, elle est vraiment sacrifiée. En même temps, ce sorcier Valiash de... J'ai regardé un petit peu Twitter et le mec il enchaîne les shiny, hein, genre le mec il a pas le temps, il enchaîne vraiment tous les shiny du monde. Donc voilà, ta chèvre est enfin sacrifiée, c'est bon. On va récupérer. Il a des attaques assez rigolotes quand même, hein, le Psycar, le Gloopty. Il a pris Géo Contrôle, Feu Ensorcelé, Éclaircroix et Marteau-Poing. On va le prendre, allez, on va le prendre. Et on l'entraînera petit à petit. Même l'oiseau, hein, l'oiseau, il a des attaques vraiment rigolotes. Il a la lame sainte, feu sacré, tout ça. Donc c'est vraiment des attaques très puissantes. Donc il y a moyen qu'on s'en serve également. Ça dépendra en quoi il évolue. Si c'est un Pokémon physique, bah tant mieux. Géocontrôle, c'est une très très bonne attaque. Hein. Typiquement, si on arrive à la placer et que c'est un Pokémon qui tape sur le spécial. Ce sera parfait, c'est pour ça que je l'ai gardé. On ne sait pas en quoi il va évoluer le Gloopty, donc voilà. On est rentré, on a récupéré le Mangloutan. Glu. Eh ben pourquoi tu fais cette tête? Madame Dahlia. Désolé, mais l'heure n'est plus à la rigolade. Genre, Tilly qui est choqué, qui ne rigole plus, qui n'est plus jovial. Il se passait quelque chose. C'est Lily. Elle s'était faite enlever. Ah oui, il est comme ça. Quelques heures plus tôt. Comment osez-vous? Bah alors, t'as l'air de faire la malle comme la dernière fois, je suis déçu. Moi qui te prenais pour la reine des dégonflés. La dernière fois, je me suis retrouvé en danger. Yodou a voulu me protéger. C'est pour ça qu'il a utilisé son pouvoir au péril de sa vie. Je ne suis peut-être pas capable de grand-chose, mais je me suis promis de ne plus jamais le forcer à utiliser son pouvoir. Et c'est pour ça que je ne flancherai pas face à des voyous comme vous! Là, tu crois que t'es pas dans la mouise? Peut-être? Redescends de ton petit nuage, princesse. On se calme. Elle a du cran, la petite. Ça se respecte. Et puis, il y a un truc qui clash. On m'a dit que t'étais une voleuse de Pokémon, mais t'as pas vraiment la tête du métier. Et il y a une différence entre voler et aider un Pokémon en danger. Pff, va falloir que je serre ça au clair. Je viendrai avec vous! Si c'est que vous le voulez! En échange, je vous prie, ne faites du mal à personne! Ah, je sais, hein, vous l'avez oublié cette voix. Hein. Une semaine que vous l'avez pas entendue, là, vos oreilles se réveillent et apprécient ce doux son aigu. Pendant que Margie n'était pas là, l'autre fille, Yapossine, est revenue! C'est vrai? J'en reviens toujours pas, je suis censé être dresseur. J'ai tous ces Pokémon pour m'aider, pourtant, c'est Lily qui m'a protégé, alors qu'elle ne sait même pas servir une Pokéball! Tu devrais avoir honte. Impossible, pendant tout ce temps, c'était Lily qui avait Cosmog. Hein, tu connais Lily? Cosmog, Lily. Je n'ai pas réussi à les protéger. Tout ce que j'ai fait, quitter la maison, partir. Tous mes sacrifices sont tout auraient été en vain. Ah, toi là, battons-nous. J'ai besoin de me prouver que je ne suis pas un bon à rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Il va tuer mes Pokémon. Non. Encore un top dresseur. Je te jure. Je te jure, chaussure. Eh, il m'envoie un Graiena. Ça va, c'est pas folichon. On préfère.
On n'a pas pu tester notre Motismadex en plus, du coup, tout à l'heure. Ok, il est insecte-plante. Ah, on est typo quand même, hein. On est typo. Après, on a mortel qui est x4. Grayenas, pas super offensif. Motismadex, enfin, Motismaforme frigo. C'est quand même plutôt neutre. C'est un bulk ok. À part sur mortel, c'est x4 quand même, hein. Écosphère. Oh. Ça va, c'est spécial. Il est pas très bon sur le... Donc c'était spécial. Hein. Oh oui, ça j'aime. Allez, le soin qui va bien. Allez, boum, on est en full life. Hein, genre. Bon, il aurait écrit écosphère, j'aurais fait la gueule par contre. Hein. Funessir. Ok. Il me semble pas qu'on l'ait déjà vu lui. Hein. Non, on l'a pas vu. Ok. On va partir sur pouvoir lunaire. C'est notre attaque qui fait le plus de dégâts. Il y a très peu de types qui résistent au fait donc. Ok, parfait. Châtiment, type spectre, c'est neutre. Et en plus, il n'y a pas l'effet bonus. Et on a les restes pour se soigner un petit peu des points de vie. Ouais, j'ai mis quelques restes à nos Pokémon. Rappelez-vous, j'en avais acheté à la boutique d'encens à Koni-Koni. Ah, c'est marrant, quand il meurt, il fait ça sur ses yeux. C'est rigolo. Voilà. Et Gladio qui m'envoie un Métang. Ah, on connaît le type de Métang, oui. Hein. Il est... Lipsio. Bah écoutez... ça me va. On va partir sur le pouvoir lunaire, du coup. Allez, boum. Ok. Plénitude. Ah oui. C'est pas mal, hein, Plénitude. Hein. C'est pas mal. Mais même... On devrait le tuer en deux coups, normalement. Encore deux coups et c'est bon. Et là, il me sort frappe psy. Ok, vague psy, ça va. C'est pas frappe psy. Ah, quand même, hein. Il a eu un bon rôle, là. C'est pas possible. Parce que vague psy, c'est en fonction du niveau. Hein. Ça fait entre 0,5 et 2 fois, je crois, le niveau du Pokémon. Il me semble, c'est un truc comme ça. Une attaque que je connais pas bien. Étant donné qu'on la joue pas en stratégie, forcément. Mais en tout cas, on a battu eh bien ce Métang. Voilà. Et on a battu Gladio. Parfait. Pardon. Ce combat aurait été... ce combat a été des plus futiles. J'aurais dû me contrôler. Mais je me tue à vous le dire, bon sang. Cosmog va semer la désolation à Luna. Je dois la retrouver. Il faut aller à l'embarcadère. Toi là, tu viens avec moi, ok? Oui, je viens. Je viens. Viens, allons-y. J'avais oublié le combat avec Gladio. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le combat avec Dan, hein, parce qu'il a 3 Poké, je crois. Et ils sont du même niveau que moi, donc ça va être un complexe stratégique, on va dire. Pfiou ! Ton pote là, Tilly, on devrait l'attendre, non ? Oh, il nous rattrapera, hein, t'inquiète, hein, on s'en fout. Hein. Ok, c'est un sacré numéro, ce Tilly. Hein. Quand je pense qu'il veut défier le doyen de son île... son propre grand-père tant respecté et qu'il espère le surpasser. Je crois que même moi, je n'oserais jamais faire une chose pareille. Et Dan, mais on va refuser son duel, hein, du coup, je pense. Dan, qu'est-ce que vous faites là? Kokoyo est déjà tombé au moins dans la Team Skull. Il n'y a plus rien à faire. Du coup, je suis au chômage technique. Hé, hey, petite, je vais te dire, c'est moi le doyen du Laïla. Bref, ça te dirait de tâter du tonton Dan en combat. Pour l'expérience, tout ça, ça te sera utile si tu veux devenir lauréat du Tour des Îles. Voilà, on est à 24 minutes. Je pense que ce sera sans nous. Et on l'affrontera du coup dans le prochain épisode. Écoute, j'ai fait le déplacement, mec. Je suis crevé. Alors accepte de te battre contre moi ou je vais devenir vraiment grognon. Oui. T'inquiète pas, Dan. On t'affrontera eh bien dans l'épisode suivant, tout simplement, donc demain, hein, donc dimanche, on affrontera, eh bien, le doyen du là, et du coup, vous aurez certainement la possibilité de re-random le jeu, donc choisissez bien, hein, du coup, et du coup, n'hésitez pas, eh bien, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, et nous, eh bien, on se retrouve demain pour la suite de Pokémon Ultra Soleil en Random Challenge. Des bisous tout le monde, et bye bye!